Lancé en 2005, Échiquier Major et Série Grosse Europe est un des fonds emblématiques de la financière de l'échiquier. C'est un des fonds Action européenne labellisé ISR qui s'expose à des grandes valeurs de croissance et de qualité, des leaders dans leur secteur sélectionnés pour la qualité de leur gouvernance et de leur politique environnementale et sociale. En 2011, tout juste 4 ans après la publication de notre méthodologie d'analyse ESG propriétaire, Échiquier Major devient le premier fonds labellisé ISR de notre gamme, ce qui faisait de lui un des 100 premiers fonds labellisés ISR en France. Échiquier Major se distingue selon nous par 4 différents aspects. Tout d'abord, c'est une stratégie Action Europe qui se démarque par son positionnement naturel, issu de notre politique d'exclusion sectorielle et de nos convictions, soit le choix d'investir dans des sociétés responsables, dites de croissance et de qualité. Deuxièmement, avec plus de 15 ans d'historique, il a traversé toutes les crises de 2008 jusqu'à la crise sanitaire actuelle, mais aussi toutes les phases de croissance. Ses performances démontrent, selon nous, sa régularité, sa capacité de résilience, la robustesse de son processus de gestion et de sa stratégie construite autour des large cap ISR de croissance. Il est possible de conjuguer des performances soutenables et performances boursières. Nous sommes convaincus que l'ISR est une source potentielle de performance. Troisièmement, l'engagement avec les entreprises en portefeuille est systématique pour contribuer à améliorer leurs pratiques et leur impact. Et les résultats sont probants via des échanges directs avec les dirigeants et également en collaboration avec d'autres sociétés de gestion. Et pour ce faire, nous sommes une équipe de gestion de 4 spécialistes profondément impliqués et nous sommes épaulés par l'équipe de recherche IR composée de 4 personnes. Le processus d'investissement est organisé en plusieurs étapes pour filtrer notre univers d'investissement, puis construire notre portefeuille. Notre univers est composé de toutes les actions européennes ayant une capitalisation supérieure à 5 milliards. Des premiers filtres sont appliqués avec des exclusions sectorielles et normatives, des filtres quantitatifs. L'entreprise doit prouver une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% par an sur 5 ans et se trouver dans le top 3 de son secteur. Puis, nous arrivons à l'étape de conviction ESG où l'on ne retient que les entreprises dont la note ESG est supérieure à 6 sur 10 selon notre notation propriétaire. Cette étape est très sélective en excluant plus de 60% de notre univers de départ. Enfin, nous procédons à l'analyse fondamentale, classique chez LFDE, avec des filtres quantitatifs, des rencontres, des managements, la formalisation du cas d'investissement, avec une attention toute particulière portée sur les valorisations compte tenu de nos univers. In fine, nous avons un portefeuille concentré d'une 40aine de valeurs, dont la pondération est notamment définie par leur potentiel de hausse, mais également par leur performance responsable. Les entreprises se distinguant par une bonne note ESG peuvent voir leur pondération augmenter jusqu'à plus 1%. Croissance, ISR, leadership.